800, les blindes sur le main event 6000, 12000, en 10000. Bon, allez. La pause est terminée. 6000, 12000, en 10000. Emmanuel, Marquenzo, Sylvain. Allez, on va faire un petit état des tapis. Là, je vais voir avec Maxime. Dis-moi, Maxime, qu'est-ce qui se passe là? Donc, bah là, le croupier a fait les comptes. Donc, pour l'instant, Emmanuel a à peu près 600 000 jetons, Marquenzo 170 000 et Sylvain 200 000. Donc, tous les joueurs ont plus de 10 blindes, donc tout est encore jouable. Mais bon, c'est clair qu'Emmanuel a 3 fois plus de jetons que ses adversaires, donc il est largement favori. Peut-être qu'il pourrait essayer de profiter justement du fait qu'il a un gros tapis pour mettre un petit peu la pression, sachant que ses deux adversaires, si jamais ils décident de jouer un coup contre Emmanuel, bah ils engageront forcément leur tournoi vu qu'Emmanuel les couvre largement. Donc on va voir comment la stratégie qu'il va adopter par la suite. Donc après, Marquenzo et Sylvain ont aussi des tapis pour sur-relancer, voilà, comme vient de faire Marquenzo après une relance d'Emmanuel. Donc Emmanuel réfléchit à payer, on va voir ce que ça va donner. Messieurs, et c'est payé. Donc là, c'est. Roi 9 pour Marquenzo. Alors attends, je te redonne le. Tu m'expliques là, ça y est, moi je comprends plus. Donc là, il y a Emmanuel qui a relancé au bouton. Marquenzo qui a fait tapis en petite blinde. Et Emmanuel a décidé de payer. Emmanuel a Roi 10 contre Roi 9 chez Marquenzo. Donc pour l'instant, il est devant. Flop As 7-5. Et le 9 pour Marquenzo à la turn. Donc là, qui passe devant. Il n'y a plus qu'un 10 pour sauver Emmanuel, 6, et c'est un 6. C'est Marquenzo qui, une nouvelle fois, réussit à avoir un petit peu de chance pour doubler son tapis et remonter à peu près un petit peu moins de 400 000. Ouais, ok, génial. Bon, allez, ça y est. Hein. On est fou. On y est. Las Vegas, c'est à nous. C'est à Marquenzo, Las Vegas. C'est à qui, Las Vegas? Attention, monte. Hein. Bon, Jérôme. Oui, alors, il faut vraiment briefer, là, parce que... Alors, ce qui est génial, Jérôme, c'est que depuis tout à l'heure, j'ai un spécialiste, un journaliste spécialiste poker. Qui te commente. Alors, si tu veux, Maxime, viens, je vais te présenter Jérôme. Ça va, Maxime? Et Maxime, tu lui poses toutes les questions que tu veux, là, mais alors lui, il t'explique tout. Et là, c'est tendu, là. C'est tendu, ça joue un truc. Bah là, bon, là, si tu veux, Marquenzo vient de remporter l'affaire. Là, Marquenzo qui revient à la hauteur d'Emmanuel. Donc voilà, bah, le chip leader n'a pas eu de chance parce qu'il avait quand même 70% de chance de gagner avec son roi 10 contre le roi 9 de Marquenzo. Et Marquenzo a touché un 9, donc ce qui lui permet de revenir à hauteur. Donc voilà, là il n'y a plus vraiment de favoris, tout est possible. Par contre, Sylvain est un petit peu derrière, il va falloir qu'il réussisse à doubler son tapis impérativement à un moment. Et pas se laisser grignoter par les blindes sans réagir, sinon il va se retrouver short stack, c'est-à-dire avec vraiment très peu de jetons, et ça va devenir très compliqué pour lui. Merci Maxime, c'est génial. Moi je comprends tout là depuis que tu es là. Relance à 36 000 chez Sylvain. Ne t'inquiète pas, je vais. Deux joueurs. Donc là, on a Emmanuel, Sylvain. Je relance. Emmanuel de Caen. Alors j'imagine que là, toute la région est derrière lui. Ouverture à 40 000. Sylvain d'Estan Carbon. Pareil, les magasins, là, j'imagine que ça doit... Ça doit suivre l'événement. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé, Maxime? Bah, tout simplement, Sylvain a relancé au bouton assez cher à 40 000 sur les blindes 6 000, 12 000 et... Donc ça, c'était suffisant pour faire passer ses deux adversaires. Donc il remporte les blindes
ce qui lui donne un petit peu d'air. Et puis ça lui permet de ramasser à peu près 20 000 en plus. Donc voilà, toujours intéressant de ramasser des pions comme ça petit à petit pour remonter au classement quand on est short stack. Merci Maxime. Bon, Jérôme, est-ce que tu comprends un peu mieux ce qui se passe, toi, là ? Je vois que les taux se resserrent. Ça voilà. Mais tu sais que, mine de rien, c'est Las Vegas, quoi. T'imagines c'est le truc ? Un peu moins festif, mais ça devient plus tendu. Bon, là, il s'est passé quelque chose, mais évidemment, j'étais occupé ailleurs. Bon, en fait, sur la main d'avant, je me suis trompé. Sylvain était de grosse blinde et il avait relancé alors que Marquenzo était de petite blinde. Voilà, où il était de petite blinde, pardon, alors que Emmanuel était de grosse blinde. Donc là, Sylvain était au bouton. Il a relancé une nouvelle fois 40 000 et il a ramassé les blindes. Donc voilà, les joueurs ne posent pas toujours leurs blindes. Donc je suis désolé pour les éventuelles erreurs pour savoir qui relance et qui est à quelle position. Et donc voilà, Sylvain qui a une deux coups d'affilée. Enfin, en même temps, depuis tout à l'heure, les nombres de bêtises que j'ai pu dire. Allez, là, tout le monde se couche, non ? Non, c'est ça ? Voilà, oh, j'ai compris, merveilleux, merveilleux, c'est incroyable. Jérôme, t'as vu aussi, toi ? Ouais. Bon. Ça va finir par rentrer. Allez, c'est Emmanuel qui remporte là, facile, hein, il ne se passe rien, j'imagine, je te repose la question, Maxime. Bon, bah là, il a eu ce qu'on appelle un walk, c'est-à-dire qu'il était de grosse blinde et que le bouton et la petite blinde ont passé, donc il a gagné le coup sans avoir rien à faire, c'est exactement ça. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, surtout quand on a une main mauvaise en grosse blinde, que personne ne bouge et que tout le monde passe. Donc voilà, des jetons gratuits pour Emmanuel. Merci Maxime. Bon, bah on s'ennuie un peu là depuis 5 minutes où je rêve là. Bah il n'y a pas énormément d'action là. Les joueurs ils se contentent de relancer pré-flop ou même de rien faire du tout pré-flop. Donc ouais, pour l'instant ça fait un certain temps qu'on n'a pas vu de cartes sur la table. Donc, mais c'est sans doute normal parce que là il y a quand même un petit peu de pression vu qu'il y a quand même un voyage à Vegas à gagner, hein, c'est pas rien. Donc les joueurs ont tendance à jouer quand même des bonnes mains, pas forcément à faire tapis avec des mains un petit peu marginales qu'ils auraient joué à d'autres moments du tournoi. Là on est quand même à 3 joueurs restants, il y a forcément de la pression qui se fait sentir, donc les joueurs resserrent un petit peu leur jeu. Ils prennent peut-être un petit peu moins de risques et jouent plus leurs cartes que d'habitude. Voilà, on va voir si ça va continuer comme ça ou s'il y en a un qui va se décider à être un petit peu plus agressif que les autres. Bon, allez, là ça joue.
Oh là, il y a moyen de faire une suite là où je rêve. Non, non, tu rêves pas. Un 4, un 4 fait une suite, il y a aussi un tirage couleur. Bon, après, un joueur peut aussi avoir 6 et 4. Enfin, tout est possible pour l'instant, mais là, Marquenzo, il annonce clairement qu'il a un 4. On va voir si ses deux adversaires vont le croire. Ou il a peut-être aussi deux paires. C'est, vu que le pot n'a pas été relancé, les joueurs peuvent avoir n'importe quelle main. Donc, Sylvain qui décide de payer. Donc, c'est difficile d'imaginer ce qu'il peut avoir en main, sachant que Marquenzo représente clairement le 4. Il a peut-être deux cœurs. L'As River, donc est-ce que ça peut changer quelque chose? C'est pas sûr. En tout cas, moi je vois dans ses yeux, bah, je sais pas, moi, je le connais un peu Marquenzo. Mais il a son regard là, moi il m'impressionne. Marquenzo. Bah, Marquenzo, ouais, il regarde un petit peu son adversaire. Non, son adversaire de checker prudemment. Et Marquenzo, il montre hauteur roi. Et deux paires à 5 pour Sylvain, qui avait deux paires 5 et 2 à la turn et qui a fait deux paires à 5 à la river. Voilà, en tout cas, c'est largement suffisant pour remporter le pot, sachant que Marquenzo a essayé de voler le coup, très clairement. Mais bon, il est tombé sur quelqu'un qui avait deux paires, donc le timing n'était pas très très bon. Donc voilà, c'est plutôt bien joué de la part de Sylvain aussi, qui a pas pris trop de risques, qui a simplement payé avec ses deux paires. Ce qui permet de perdre le moins de jetons possible si jamais Marquenzo a un 4 pour la suite. Et qui permet aussi justement de laisser bluffer Marquenzo sur la river. Si Marquenzo, comme il avait fait, Marquenzo avait bluffé à la turn, il aurait pu continuer à bluffer sur la river. Ça aurait permis à Sylvain de juste simplement payer une éventuelle mise à la river. C'est pareil, sans prendre trop de risques, tout en sachant que Marquenzo n'avait rien. Bon voilà, j'espère que je suis assez clair. Mais bon, enfin voilà, en tout cas c'était bien joué de la part de Sylvain. Tu es très clair parce que moi j'arrive à comprendre. Alors tu sais, si moi je comprends, tout le monde comprend. Donc là, on a un tapis de Marquenzo, ok? Donc je te laisse m'expliquer ou expliquer à tout le monde ce qui va se passer. Bah alors Sylvain est au bouton, il s'est contenté de payer la grosse blinde à 12 000. Donc Emmanuel a passé en petite blinde et Marquenzo en grosse blinde a décidé de faire tapis. Donc on va voir si Sylvain a décidé de payer. Alors tapis, moi ça me stresse là, tu vois. Éventuellement, il y en a un des deux qui peut peut-être sortir du tournoi ou se retrouver avec très peu de jetons. Donc ouais, ça peut être un coup décisif si jamais Sylvain décide de payer. Ok, bon, on va voir ce que Sylvain fait alors. Donc là, le croupier compte son tapis en fait, c'est ça, hein. C'est ça. Il compte pour dire à Sylvain combien il doit rajouter si jamais il décide de payer. Donc a priori c'est quand même Marquenzo qui couvre Sylvain. Donc Sylvain, s'il paye, il engage son tournoi et il décide de passer. Donc Marquenzo, il est tranquille là, c'est ça? Marquenzo remporte le coup et Sylvain garde ses jetons pour une meilleure occasion. Donc pour avoir vu la main de Sylvain, je peux vous dire que c'était très très difficile à passer à ce stade du tournoi. Donc voilà, il préfère attendre vraiment une grosse main, comme je le disais tout à l'heure, il y a un petit peu de pression. Les joueurs ne veulent pas s'engager avec des mains moyennes fortes, quoi. Ils attendent vraiment des belles mains. Super. Thank you.
500 000. Donc là, Emmanuel quitte la table. Explique-moi, on peut quitter la table. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà. On a le droit de quitter la table quand on veut. C'est juste qu'après, si on n'est pas revenu quand le croupier distribue la main suivante, bah, la main suivante est brûlée. Donc on rate une occasion de jouer une main. Bon, d'ailleurs, Emmanuel rentre vite. En fait, il a laissé les deux adversaires jouer parce qu'il avait passé ses cartes. Donc il a laissé ses deux adversaires jouer. Parti se dégourdir les jambes en attendant. Donc là, il y a Marc Enzo qui prend l'initiative. Ah non, qui hésite un peu. Il essaie de voir un petit peu les réactions de son adversaire. J'en reviens pas de son regard. Et de le regard de Marc Enzo, Jérôme, enfin, moi, il m'impressionne. 18 ans. Tu vois, 18 ans. Et Sylvain d'un calme aussi, Emmanuel, c'est incroyable. Tous les trois, impressionnant. Alors qu'il y a Las Vegas bientôt, peut-être pour l'un d'entre eux. Donc là, il y a une river qui a priori ne devrait pas changer grand-chose, parce qu'on peut imaginer que si Marc Enzo avait eu un roi, il aurait relancé pré-flop. Et pareil pour Sylvain d'ailleurs. Donc là, Marc Enzo a checké la turn, Sylvain a misé 45 000. Marc Enzo a payé, là Marc Enzo fait tapis sur la river, donc là attention. Ok, tapis, alors moi, y a un truc que je comprends, c'est que quand tu fais tapis, c'est que tu joues ta vie là, on est d'accord? C'est ça, d'ailleurs, bah, encore une fois, Sylvain qui décide de passer. Donc Marc Enzo qui est un petit peu plus agressif, ça lui permet de prendre des jetons. Donc c'est bien joué de sa part, encore une fois. Ok, super. Jouer au poker que quand on est à 4 autour d'une table, c'est pas la même manière. Oui, moi j'ai un micro. Ah ok, pardon. C'est pas la même manière de jouer à 4 quand on est au poker, c'est pas du tout pareil. Parce que là, il y a quelqu'un qui donne, enfin c'est comme au casino là. Ouais. Donc, voilà, ça me... c'est très beau. Voilà. C'est du tout le même principe que quand on a son jeu, quoi. On est bien d'accord. Ouais. Non, c'est pas la même manière de jouer. C'est vrai. Non, puis là, forcément, les joueurs font un petit peu. Et puis j'ai oublié l'ordre des bonnes combinaisons. Ça, c'est la base. Il va falloir reprendre les bases. Une paire, deux paires, trois cartes. Trois paires, on peut pas, par contre. Non, pas trois paires, mais trois cartes, c'est le brelan. Brelan, c'est ça, exactement. Ensuite, on passe à... À la suite. La suite. La couleur. La couleur. La suite et la couleur, je sais jamais laquelle est la meilleure. La suite, la couleur. Après. Donc après, c'est full house. C'est-à-dire brelan plus une paire. Ouais. Et après carré, bon vous savez tout ce que c'est qu'un carré et qu'un flush et qu'un flush royal. Donc bon, qu'un flush royal. Quand on a ça, on peut avec 5 cartes de la même couleur qui suivent. Ah oui. Donc là quand on parle de couleur, c'est pique ouais. C'est noir et blanc et rouge. Pique, trèfle, carreau ou... c'est pas noir et rouge, c'est pique, trèfle. Non, j'ai compris. Ah, oui. Les noirs et les rouges, quel que soit le symbole. Non, justement, en fait, le symbole compte. Ah. Donc, tu peux avoir une couleur à trèfle, une couleur à pique, une couleur à cœur ou une couleur à... ou une couleur à carreau. Faut que je revoie toute la base, quoi. Ok, on est d'accord. Ça pourrait peut-être te servir si jamais tu dois rejouer. Là, on peut facilement faire une couleur, par exemple. On est bien parti. Hein. Là, on peut faire une couleur si un des joueurs a deux cœurs et qu'un troisième cœur arrive sur le tableau. D'accord. Donc là, on peut pas faire de couleur. Un brelan neuf au flop. Donc là, c'est un tableau assez dangereux, parce qu'un 8 donnerait une suite. Oui. Donc encore une fois, c'est Marc Enzo qui attaque. Qui veut justement représenter suite. Même s'il ne l'a pas, il peut toujours le représenter. Si ses adversaires n'ont pas le 8, ils ne peuvent pas vraiment payer. Parce que
c'est trop dangereux. Donc on va voir la réaction de ces deux adversaires. Et voilà, et donc Marquenzo qui prend le coup encore une fois. C'est bien joué, qui ne monte pas ses cartes. Il laisse un peu ses adversaires dans le doute. Donc ouais, Marquenzo qui est en train de remonter des pions. Ça joue pas beaucoup. Non. Personne ne prend de risque. Bah oui, non, c'est normal. Il y a quand même Las Vegas au bout. Il ne faut pas faire n'importe quoi à ce moment-là. Donc comme souvent, c'est la prime à l'agressivité. Hein. C'est-à-dire que c'est Marquenzo qui gagne le plus de pots parce que c'est lui qui est le plus agressif, qui mise le plus souvent. Donc il joue un peu sur la fold equity, on appelle ça. C'est-à-dire la fold equity, c'est-à-dire c'est... J'irais la probabilité que ses adversaires passent souvent. C'est, on peut jouer là-dessus à plein de stades du tournoi. Par exemple, si un adversaire est super et très serré, il va souvent passer. Donc on a beaucoup de fold equity sur lui si on mise. Quand tu dis qu'il est serré, ça veut dire qu'il a pas beaucoup de. Qu'il reste pas beaucoup de jetons, quoi. Non, ça veut dire qu'il hésite souvent à engager ses jetons. Et du coup on peut lui mettre la pression plus facilement. Là, Marquenzo qui gagne encore un coup. Voilà. Ça va, Sylvain ? Un petit jeton de 1000. Ça ira mieux. Ça ira mieux quand tu auras gagné. Hein. Voilà. Voilà. C'est Emmanuel qui t'envoie à 12 000. Bon là pareil, hein, il s'est rien passé, on est d'accord Maxime ? Bah, Sylvain a juste remporté le coup en faisant une relance sur la grosse blinde d'Emmanuel. Donc voilà, ça lui permet de récupérer des jetons, tout simplement. Et il faut justement à 3 comme ça absolument gagner des coups régulièrement parce que sinon on se fait un peu manger par les blindes. Donc c'est indispensable de ne pas rester trop passif. Merci Maxime. Donc là, on a Emmanuel contre Marquenzo. Marquenzo lâche l'affaire. C'est Emmanuel qui ramasse. On est d'accord. Ça y est, je vais finir par tout comprendre. Depuis le début de la table finale, tu as déjà beaucoup progressé. Donc bravo. Merci, Maxime. Je suis très rassurée. Je vais pouvoir m'y mettre.
passe. Emmanuel, Sylvain, Sylvain, Emmanuel. Bon, et Sylvain lâche. Emmanuel remporte. T'as vu, j'ai plus besoin de toi, Maxime. Voilà, quand même, c'était pas très compliqué. Mais bon, c'est vrai que ça va, tu gères maintenant. Merci. Je me demande ce qui se passe dans leur tête. Je me demande si, voilà, s'ils y croient. Bon, oui, ils y croient, sinon ils seraient pas là. Las Vegas. Ça marche. Les fontaines qui apparaissent, 36 000. Bon alors, explique-moi ce qui se passe là, Maxime. Bah là, il y a un gros coup qui est en train de se développer. Sylvain a relancé préflop à 35 000. Ça a été payé par Emmanuel en grosse blinde. Christophe a remis 35 000 sur le flop 7 dame 9. Et Emmanuel a décidé de payer. Il y a un 5 qui est tombé à la turn et Sylvain a décidé de checker cette fois-ci. Et là, c'est Emmanuel qui reprend l'initiative. On va voir combien il mise. 10, 20, 30, ce sera 40 000. Donc Sylvain qui a décidé à payer. Là, c'est un coup très important parce que si Sylvain paye, Sylvain décide carrément de relancer. Donc là, ça annonce énormément de force. Le croupier annonce une relance à 115 000. Donc ça a l'air de faire réfléchir Emmanuel. Mais qui paye quand même. Alors on pourra assister peut-être à une élimination, on va voir. Sachant qu'il reste que 30 000 à Sylvain, j'ai l'impression. Ou 60 000. Là on peut penser que les deux joueurs ont déjà des jeux faits, qu'ils n'attendent pas trop de tirages. C'est un 6 à la river, Sylvain qui check, il check aussi. Sylvain qui monte paire de 10. Et ça gagne devant Valet 7. Ok, donc la paire de 10 c'est Sylvain, donc c'est lui qui gagne. Ok.
blindes, 700, 1400 sur le side et 8700. Donc là, on a Marquenzo et Emmanuel en jeu. Et vas-y, commente-moi un peu ce coup là. Donc a priori, il y a Emmanuel qui a complété sa petite blinde, donc a rajouté 6000 sur les 6000 qu'il avait déjà mis en petite blinde. Et Marquenzo qui a checké sa grosse blinde à 12000. Donc il y a eu une mise au flop, j'ai pas trop vu qui a misé, mais en tout cas ils sont encore deux pour voir la turn. Donc il y a trois carreaux sur le tableau. Peut-être qu'il y en a un qui a la couleur, il y a aussi des possibilités de suite. 700 400. Donc il y a eu un check d'Emmanuel. Et Marquenzo qui a envoyé une grosse mise de 60 000. Emmanuel qui paye, il ne reste plus grand chose derrière. Donc encore une fois, ça peut aller assez loin. Ok, donc là on a deux valets. Alors vas-y, dis-moi là. Alors il y a paire de 3. Ah non, il y a couleur pour Emmanuel. J'ai pas vu la main de Marquenzo, je sais pas si t'as vu. C'était roi 8 de cœur. Donc voilà, Marquenzo qui a essayé de voler le coup à la turn encore une fois. Bon, ça n'a pas marché parce que Emmanuel avait un très gros jeu avec une couleur. Donc voilà, Emmanuel qui prend sans doute le maximum qu'il pouvait prendre sur ce coup, étant donné que Marquenzo n'avait rien et n'aurait de toute façon pas payé une mise. Donc voilà, Emmanuel qui revient un peu dans la course là. C'est pareil, hein, je vais dire une bêtise, hein, faut savoir compter au poker. Hein. Tout à fait, c'est indispensable. Là, je vais pas te contredire. Merci Maxime, je suis content, je viens de dire une vérité là, c'est super. Oh. Je me demande vraiment ce qui se passe dans leur tête là. Las Vegas, où es-tu ? Oula, ok, tapis, on est d'accord, c'est important. Tapis chez Marquenzo, ouais, ça va être important si Emmanuel décide de payer, mais Emmanuel passe. Et c'est pas la première fois qu'il fait ce coup-là, Marquenzo. Et comme je te disais tout à l'heure, il est assez agressif généralement, donc c'est pour ça qu'on le voit peut-être plus souvent que les autres faire tapis. Donc voilà, du coup, bah, ça lui permet de gagner un petit peu plus de pot, même s'il a... La tendance est un peu équilibrée depuis quelques mains. Dis-moi Maxime, quand on arrive à ce stade-là, franchement, toi qui maîtrises le poker, qu'est-ce qui se passe là dans leur tête ? Alors déjà, je ne maîtrise pas vraiment le poker. J'essaye de faire ce que je peux. Mais bon.
Là, dans leur tête, on a pu voir, là, il y a Sylvain qui s'est levé, donc ça, à mon avis, c'est qu'il a un petit peu la pression, il essaye de se détendre. Donc, je pense qu'ils sont un peu tous pareils. C'est vrai que Marquenzo a l'air d'avoir un petit peu moins la pression que les autres. Bon, après, c'est peut-être qu'une impression, mais... Mais voilà, non, de toute évidence, ils ont tous envie d'aller à Vegas, personne ne va rien lâcher, donc ça va jouer à pas grand-chose. Ça risque de jouer comme souvent sur des tournois comme ça, une confrontation entre deux grosses mains. Donc pour l'instant, on n'y a pas encore eu droit, mais ça pourrait venir. Ouais, ils sont bruyants à côté là. Le tournoi d'à côté va nous déconcentrer nos champions. Là, il y a Sylvain qui a payé au bouton, a priori, à moins qu'il ait relancé, non, je crois qu'il a relancé à peu près 32 000. Emmanuel a passé et Marquenzo a envoyé, Emmanuel a payé et Marquenzo a envoyé une grosse relance à 128 000, je crois. Donc ça a fait passer Sylvain, par contre ça fait pas passer Emmanuel, qui est toujours là dans le coup. Donc là pareil, c'est un très gros coup encore une fois parce qu'il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose à Emmanuel derrière et à Marquenzo non plus d'ailleurs. On va voir ce que va dire le flop. Ce que va nous donner le flop. Ok, allez, Fabien a besoin de son petit massage, comme des pros, on est tous comme des pros. Alors le flop, on a 3 de pique, 10 de cœur, 6 de trèfle. Oh là, tapis. Comme souvent, Marquenzo qui met tout au milieu, qui met la pression sur son adversaire. Bon, c'est logique, hein, après avoir relancé à 128 000, on ne s'attend pas à ce qu'il passe ou à ce qu'il check le flop, surtout un flop comme ça qui n'a pas l'air très dangereux. Suivi par Emmanuel. Oh là, attention, on y est là. Donc là, Marquenzo qui fait un tapis assez osé avec paire de 4 et surtout le call avec As-8 qui est encore plus osé. Donc Emmanuel joue un As et un 8 pour gagner le coup. Il y a eu un roi à la turn et un 6 river. Donc c'est Marquenzo qui gagne le coup. Marquenzo élimine Emmanuel. Ok, Marquenzo élimine Emmanuel. Ils ne sont plus que deux pour Las Vegas. C'est parti. Oh là là. Nos deux derniers, Sylvain, Marquenzo. Bon allez, moi je tiens plus en place, ça y est, c'est parti. Troisième place.
Ça va, Emmanuel? Non, ça va. Comment tu te sens? Non, ça va. Moi, je suis heureux d'être là déjà. Monsieur, bonne chance. Je ne mentais pas autant. T'as pensé à Las Vegas quand même, là? Oui, mais franchement, oui. Oui, mais... Il y a plus besoin d'avoir denté. Mais bon, je ne l'ai pas fait. Hein. Merci, en tout cas, bravo, Emmanuel. Tu as vu, Prosper, ce qui s'est passé juste avant? J'ai pas vu le coup, mais j'ai vu qu'il y en avait un qui avait sauté. Ouais, Emmanuel. Mais moi, ce qui m'impressionne, toi qui as joué avec lui, franchement, il a 18 ans, Marc Enzo. Qu'est-ce que tu en penses? Il est hyper concentré et surtout, il met une énergie débordante. Donc, je pense qu'il peut aller au bout de ce tournoi. Mais en revanche, c'est la force tranquille. Il est plutôt paisible. Il est plutôt paisible, il prend son temps. Donc là, on a la jeunesse et la fougue chez Marc Enzo. Et on a, on va dire, le contrôle, la force tranquille. On dirait Mitterrand assis à la table. Et toi qui es un joueur professionnel, hein, Prosper, hein. Bon, on t'a vu jouer, on t'a vu parler, on t'a vu bouger dans tous les sens et tout. Bon, là, on a des profils différents. Et tu es toujours comme tu étais, enfin, je veux dire... Tu vois dans les yeux des gens ce qui se passe. Explique-moi un peu comment ça se passe. Il y a beaucoup de psychologie. Donc, Marc Enzo, il a beaucoup de chance. Il faut dire les choses. C'est que ce soir, il a beaucoup de chance. Il joue bien. Il est hyper concentré. Mais c'est celui qui a envie le plus de gagner, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui se passe là? Explique-moi. Là, il se passe que Sylvain est en train de prendre tout doucement, tout doucement. Il gratte. Il se laisse pas impressionner. Et Marc Enzo, vous voyez, il y a beaucoup de stress, regardez. Il bouge beaucoup. Mais il a très envie de gagner. Donc les deux vont rien lâcher. Mais regarde cette aisance, regarde comment il est calme. Tu sais qu'il est débutant. Enfin, Sylvain. Il n'avait jamais joué. Mais il a vite compris. Vous savez, il faut une minute pour comprendre le poker et toute une vie pour le maîtriser. Donc, on va voir. Il faut quand même être super patient. Hein. Quand tu vois le temps que tu passes sur une table, il ne faut pas s'énerver. Hein. On se décale un petit peu, on va voir ses cartes. Il faut être patient. Mais là, sur n'importe quel coup, là, un des deux joueurs peut gagner. Là, on a l'impression, parce qu'on voit plein de jetons, on a l'impression que ça... Non, ça peut être très vite. Sur un coup, tout peut partir, là. C'est que pour eux, c'est... Bon, toi, tu connais Las Vegas, hein, d'accord, mais c'est un très grand moment. Mais pour chacun, vous savez, même moi, quand je vais à Las Vegas, c'est des grands moments. Donc j'imagine pour eux. C'est toujours un plaisir d'aller à Las Vegas. C'est incroyable. C'est vrai. Vous avez vu la tension? Ils ne se parlent même plus. Ils jouent leur jeu. Non, allez. Check tout doucement. Et toi, ça te plaît ou pas? Oh ben, ça y est, je rentre chez moi, là je joue au poker. Bon. En espérant que notre président refasse un tournoi l'année prochaine et là je gagne. Non, alors qu'il t'envoie pour commenter ce que va se passer à Las Vegas. D'ici là, j'aurais peut-être compris. Peut-être qualifié.
vraiment la poker face. Hein ? C'est clair. Il est dur à lire, il est très dur à lire. Mais on a la fougue et, l'expérience. Sylvain, il est plutôt calme, réservé. C'est excitant, hein. Bah écoute, je les admire. C'est vrai que c'est excitant. Les montées d'adrénaline qui... Enfin, ça doit être épuisant, c'est quand tu sors de la table. Je suis assez d'accord. Tous d'y aller. Bon, alors là, qu'est-ce qui peut se passer pour Prosper ? Je pense qu'il va gagner le coup, Marquenzo. S'il pousse les jetons, là, il peut prendre le coup. Il y a 1000-2000 sur le 5 à 20. Il y a 30, 40. Il y a quand même 80 000 au milieu. Voilà. Vous voyez ce que j'ai dit ? Donc là, il s'est couché, tout le monde s'est couché, donc c'est lui qui reprend. Un peu d'argent, un peu de pion. Exactement. Dame et 4. Donc on est dans un coup. Dame et 4 à pique. Il jette. C'est bien parce qu'il ne se fait pas marcher dessus. Donc il relance. Parce que quand on est à 2, ce qu'il faut surtout, c'est jouer très agressif. Il ne faut pas laisser l'ascendant. Donc il faut toujours relancer pour mettre en difficulté son adversaire. Donc plus on relance, plus on est agressif sur l'autre joueur. Et quand on n'est plus que 2, n'importe quelle figure, un valet, une dame, un as, un roi, c'est une très grosse carte. On peut même envoyer tapis avec une grosse carte. C'est suffisant. 7 et 3 de carreau, un joueur très serré. T'as réussi à voir ces cartes, Prosper ? Là, il a 10 et 4. C'est vraiment une main pas terrible. Mais il relance quand même. Donc là, il essaie d'agresser son adversaire. C'est très bien joué. Je trouve ça bien joué. On va voir ce que va faire Marquenzo. Voilà. Donc, alors moi, à chaque fois que j'entends en ligne, tu veux que je te dise, je suis... Il ne pouvait pas le payer. Et je trouve que Marquenzo, c'est un très très bon joueur. Il pousse, il est fort. C'est impressionnant aussi, parce que bon, Brigitte, sa maman... Bon, on en a discuté, quoi. Il vient de démarrer, quoi. Il joue pas plus que ça. Ouais. Bon, il a eu beaucoup de chance aussi. Il faut jamais oublier qu'à ce jeu, il faut beaucoup de chance. Donc, il y a un peu des deux, tu vois. Il y a de la stratégie, mais de la chance. Là, il a une vraie main de merde. Donc, il va rien pouvoir faire avec ça. S'il est relancé, il va jeter les cartes. Alors le flop. Relance un tapis. 2400. Alors moi, tout de suite, je vois qu'il y a un truc, quelque chose de super intéressant quand même. Là, on est d'accord. Un beau flop, mais je ne sais pas si les deux ont des jetons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Sylvain, il va pas bouger une oreille. Il va jeter ses cartes. Ah. Là, par contre, il a touché un 3. Donc Sylvain pourrait tenter de relancer. Voilà, comme je vous l'ai dit, il va réfléchir. Je serai lui, je relancerai tout de suite. Voilà.
pas qu'on aille se mettre un peu vers là-bas, comme ça on essaie de voir les deux, les cartes. Mais c'est comme tu veux. Dis-moi combien il y a de jetons, là, combien il y a de mises. On vient de mettre 60 000. Si jamais Marc Enzo paye, je pense qu'il a gagné le coup. Parce qu'on a une paire de 3 chez Sylvain. Là, ça mise beaucoup ou je rêve là? Là, ça peut rendre. Ouais, je pense que Marc Enzo a mieux qu'un 3. Donc, il va être obligé de jeter ses cartes, notre ami Sylvain. C'est dingue. Regarde Marc Enzo comment il regarde Sylvain. Toi, tu as joué contre lui, donc tu as dû ressentir ça. C'est bien joué de la partie de Sylvain. Donc là, c'est qui gagne là. Là, c'est Marc Enzo. Il ne pouvait pas gagner le coup de toute façon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a vraiment pris un ascendant Marc Enzo sur Sylvain. On peut le voir même sur la tête de Sylvain, il est un petit peu dépité. Et là, étant donné que Marc Enzo a beaucoup, beaucoup plus de jetons que Sylvain, à n'importe quel moment, il peut le faire sauter du tournoi. Donc si je devais miser une pièce, je miserais sur Marc Enzo. Donc Marc Enzo à Las Vegas peut-être. Mais attends, moi apparemment depuis à chaque fois que je regarde le poker. Au poker, on sait jamais ce qui peut se passer, alors attends. Oui, parce qu'en même temps, si Marc Enzo, par rapport au nombre de jetons qu'il a, il peut très bien l'obliger à mettre tapis, c'est bien ça. Exactement. À n'importe quel moment, il peut l'obliger. Donc en fait, là, il a l'edge, on appelle ça un edge. Marc Enzo a un plus gros edge, puisqu'à n'importe quel moment, il peut le couvrir. Nous allons voir ça très très vite. D'accord, ça marche. Moi, ça me stresse là. Pourtant, je vais pas. C'est pas moi qui joue, mais. C'est. Il m'impressionne parce qu'il faut, ben, tu connais, il faut gérer ces montées d'adrénaline quand même. Hein. Tout à fait. Tout à fait. T'as pas un secret, toi? Attends. On n'arrive pas dans ces cartes, il va trop vite. Marc Enzo aussi. Ah, tu vois ? Il m'a impressionné hier soir déjà. Tu vois ? On est deux. Mais je suis pas d'accord avec toi quand tu dis qu'il a un air dépité, Sylvain. Depuis le début, il a le même air. Tout est possible encore. Tout est possible. C'est ça qui est beau dans ce jeu. Peur de pousser les jetons, donc. Très dur là pour Sylvain. Alors il fait all-in là. Je pense qu'il a perdu là, attention.
si Mercanzo a un valet. Attends, là, on peut avoir un vainqueur dans deux minutes, là, on est d'accord. Si Mercanzo paye et qu'il a un valet moins 9, il a gagné. Oh là, ça me stresse, allez, vas-y, explique-moi tout. Voilà. Attention, là, il faut bien filmer. On attend, on va sortir la carte. Bon, allez, la pression monte. Et si le coup final. Allez. Et sur les jeux. Allons-y. Je rappelle le flop As-8, valet 2. Paire de 8 pour Sylvain avec un tirage très. Là, pour le moment, donc, c'est Mercanzo. C'est pour Mercanzo, là, pour le moment. Attention, ça pourrait être le dernier coup. C'est Las Vegas qui se joue. Et il a la couleur, donc la partie, mais la partie continue. Hein, c'est reparti. Encore une chance pour Sylvain. Pour Sylvain qui... qui n'avait pas prévu de jouer sur Internet. Et c'est Olivier qui était présent au séminaire à Megève qui lui a demandé de jouer. Il a joué, il a gagné. Il a gagné la première partie. Et peut-être que ce soir, il va gagner le tournoi. Peut-être que ce soir, il va gagner Las Vegas. Ça serait très bien, ça serait merveilleux. Allez, un petit peu de silence et la partie continue. 214 000. Rêver de faire ça. Ils ont combien là sur le tapis à peu près estimé? Là vous avez tout ça. Regardez le tapis moyen sur l'écran. 400 000. Philippe, il y a 400 000, donc il y a 600 000 ici. 600 000 là, 400 000 là-bas. Ouais, 400 000 là-bas, 600 000 ici. On peut dire que les tapis sont à peu près équilibrés. Oui, tout à fait. On peut dire que là pour l'instant il y a un léger avantage chez Sylvain, mais rien n'est fait. On a la fougue d'un côté de la jeunesse et le contrôle et la maîtrise de l'autre. Enfin, moi, je trouve que Mercanzo maîtrise très bien. Oui, oui, mais il est plus agressif, il n'a pas peur d'envoyer le tapis. Les deux jouent très, très bien à ce niveau-là. Ils sont un peu d'agressivité, là, maintenant. Bien sûr. Vous connaissez bien le heads-up, Philippe. Ça m'est arrivé d'y jouer. Je pense que c'est même le jeu où vous êtes... votre jeu de prédilection, je crois que c'est le heads-up.
mettre la tête, le dealer il est un petit peu. La tête aussi. Stéphane, il veut la gagner cette partie. Sylvain, je veux dire, oui. Tout à l'heure, c'était Stéphane, maintenant c'est Sylvain. Sylvain d'Instant Carbon. Et son patron, c'est Olivier. Puisque ce magasin est en mandat. Et je sais que Olivier, qui était présent au séminaire, c'est lui qui lui a demandé de jouer, de ne pas manquer un tel événement. Et. Là, je sens Sylvain qui a réellement envie de faire plaisir à son patron et de gagner cette partie. Il a peut-être envie d'aller à Las Vegas aussi. À mon avis, oui. Marquenzo relance, il arrive quand même à le faire soupirer. Hein. Je suis d'accord. Ça veut dire qu'il lui mène la vie dure. Ça veut dire que psychologiquement, même s'il a perdu un gros coup, il est encore vraiment bien, bien dans le jeu. Ça, c'est important. Mais de toute façon, depuis tout à l'heure, c'est ce que je disais, il est impressionnant, Marquenzo, de maturité. Bon, bah là, ils ne jouent pas tous les deux, on est d'accord, c'est ça qui se passe. Là, ils se jaugent un petit peu parce que là, à n'importe quel moment, il y en a un des deux qui peut sauter. Donc, même si Sylvain a un peu plus d'avantage, il lui a fait deux coups, Marquenzo, il a récupéré un peu plus de 40 000 jetons. Donc là, vous devez avoir 460-480 chez Marquenzo et 520 ici. Donc, c'est vraiment, on est vraiment à égalité. Par contre, là, il a un beau jeu. Donc Sylvain remporte là parce que Marquenzo ne joue pas, on est d'accord. Et là le jeu aussi en heads-up, c'est de pas se faire voler les blindes. Parce que chaque blinde, c'est 20 000 plus. Les blindes, monsieur Zaton, c'est 20-40 ? 10 000-20 000. Donc à chaque coup, il y a 30 000 au milieu. Donc il suffit de prendre déjà 10 coups et on enlève pratiquement 300 000 jetons à la table. Donc là... Alors là, nous avons un monstre. La pression monte là, je la sens la pression. Là, Marquenzo, je pense qu'il va. S'il paye, il va falloir qu'il s'accroche bien. Parce que ce coup va être énorme, à mon avis. Soit il jette les cartes, soit ça va partir à tapis. Cette histoire.
Ah, 2-2, je sais que ça c'est important. Hein. Mais il mise là. On poussait 100 000. À l'œil nu. All-in. Bon alors. Attention. Tapis. La partie peut se jouer sur ce coup-là. Passe. Sylvain avait AC4. Bien petit, ouais. Ah, attends, on va faire les points après. Ouais. Mais il peut quand même. Ah oui, non, c'est ça. C'est vrai, ça. Il est impressionnant ce jeu. Mon Dieu. Il est dedans. Ça va être le jeu des nerfs, je pense, et de la patience, non? C'est possible. Là, maintenant, à ce moment-là du jeu, tout peut arriver. Et je pense que Philippe, il s'y connaît mieux, presque mieux que mon heads-up. C'est lui le champion du heads-up. C'est lui le champion du heads-up. Je l'ai vu à l'œuvre. C'est-à-dire? En tête-à-tête, il est injouable. Oui, ça ne m'étonne pas, monsieur Genesté.
Ok, tapis. C'est impayable. Et là, par contre, je peux vous dire que là, il a pris un ascendant énorme, Marc Enzo. Parce que là, il reste, chez notre ami, il reste 100, 120, 140. Je pense que je peux vous dire que il y a 80% de chance pour que Marc Enzo remporte le tournoi. Ça sent le sapin. Si je devais donner un conseil à Sylvain, ce serait de maintenant de jouer de tapis à chaque fois qu'il rentre. Ok, il se passe rien pour l'instant, c'est tendu, la tension monte, moi je la sens. Sylvain, Marc Enzo, Sylvain, qui pour Las Vegas, mais qui pour Las Vegas? Tu peux m'expliquer les mises, là, s'il te plaît. Là, vous avez une relance de Sylvain qui a été payée tout de suite insta-call par Marc-Antoine, Marc Enzo, pardon. Jeu des regards. All-in de Sylvain. C'est payé. Attendez, le s'il vous plaît. Le tapis est payé. Alors, attends, allez chercher les... Attendez, hein, avant d'ouvrir les cartes, s'il vous plaît, monsieur le croupier. On a avancé. Ouais, mais attendez qu'on va... Vous êtes prêts? Oui. Venez, mettez-vous là. D'accord. Et encore un moment d'émotion, c'est sûr que ce coup, ça peut se jouer. Peut-être le dernier coup, peut-être que ça repart pour Sylvain. Et oui, si Sylvain il a une bonne carte, il a un as, un 10. Un as, c'est fini. C'est Sylvain qui gagne. Sylvain gagne le coup. Allez, c'est reparti. La partie continue. Comment? Avec le 7. Ah bon? 4, 5, 6, 7. Il n'y en a que 4 cartes. 4, 5, il a un 7. Ah, 2, 3, 4, 5. C'est pas possible, c'est une dead. Split. Merci, Jonas. C'était split. Avec 4, 3. Ah oui, avec 4, 3. Je vais m'excuser, je suis direct au tournoi. Tu vois les cartes à l'envers. Bien sûr. Donc Sylvain revient dans la partie. Ok, donc Sylvain revient dans la partie. Voilà. Désolé, mesdames. Ah oui, là, on ne pouvait pas espérer une plus belle finale que celle-ci. On sent la tension monter. On sent tout ça. Hein. Les joueurs sont concentrés. Thank you.
pense à 60 000. Donc là, Marc Enzo a lâché, hein, si tu m'expliques bien, Prosper. Là. Non, Marc Enzo, il n'a pas lâché, il a payé un coup pour essayer d'éliminer Sylvain, il a très bien joué. Non, pour l'instant, les deux joueurs jouent vraiment bien. On a vraiment du très 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 beau poker là, pour l'instant. Merci. Psychologique, ça se relance, sur relance, les deux ne se laissent pas faire. C'est une vraie belle finale. Bon, Maxime, je vais refaire mes questions un peu bêtes, d'accord ? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à tous ceux qui nous regardent là, ce qui se passe là sur ce coup par hasard, par exemple ? Bah écoute, là j'ai pas vu le début, donc je sais pas ce qui s'est passé pré-flop. En tout cas, apparemment Sylvain a misé 50 000 sur le flop avec un 4, un 2 et un 6 et deux carreaux. Et Marc Enzo a relancé comme souvent, et comme souvent ça marche, il prend le coup. Bien joué encore de la part de Marc Enzo. Marc Enzo qui est en train de construire un beau château de jetons. T'as remarqué aussi, oui. Monsieur Ginesté, vous vous sentez comment vous par rapport à Marc Enzo là, maintenant là ? Écoutez, je vais attendre la fin de la partie, j'en parlerai après. Très bien, je comprends. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé, Maxime ? Bah, comme l'a bien dit notre directeur de tournoi, relance à 60 000 de Sylvain payé par
Marquenzo. Donc 5-5-9. Donc c'est un flop que où ça va être difficile de toucher quelque chose. Donc c'est pas mal d'essayer de miser de la part de Marquenzo, même s'il a rien. Parce que si jamais... Sylvain a l'air d'avoir quelque chose. On va voir. Allez, ça passe. Ouais, donc Marquenzo, il a essayé de voler le coup parce que le flop était pas très dangereux. Et il s'est dit que si jamais Sylvain avait, par exemple, je sais pas, Roi-Valet ou Dame-10, des mains qu'il aurait relancé mais qui n'auraient pas touché le flop, bah, il pourrait gagner le coup tout de suite. Mais bon, là, Sylvain a montré qu'il n'était pas venu pour faire de la figuration dans ce coup. Donc il avait certainement une belle main. Alors, j'ai pas suivi par rapport au nombre de jetons là. Est-ce que tu arrives à me dire à combien ils sont? Bah, écoute, il faudrait compter. A priori, Marquenzo est un petit peu devant, mais il ne doit pas l'être de beaucoup. Là, il y a beaucoup de jetons, c'est difficile de compter. Là, il y a 200, 1400, 600, 800. Ouais, je pense que Marquenzo doit quand même être un petit peu devant. Oh là, moi, le flop, là, il m'impressionne. Bah écoute, il peut y avoir des tirages. Quelqu'un peut avoir le brelan. Bon, là, il y a une carte assez dangereuse. Donc là c'est une bonne occasion de bluffer, par exemple, si personne n'a rien. Parce que c'est impayable par exemple, là, si Sylvain mise, bon, les deux joueurs check. Je préfère jouer la prudence. Allez, messieurs, 4 joueurs, dont 4 à tapis. Donc là, on peut se dire que celui qui a un as dans sa main a gagné le coup. On va voir. Donc là, non. Donc là, bah, Marquenzo a misé, Sylvain a passé. Donc, Marquenzo qui gagne la majorité des coups, j'ai l'impression. Ça passe, ça passe, ça se couche. Ah, on a un duel acharné, ouais. C'est bah que le meilleur gagne. Hein. Ok, donc pas de jeu. Bon là, il y a un petit peu de bluff.
Bah là, relance sur relance, bon. Si Marquenzo décide de pas lâcher le coup, ça va faire un très gros coup. Là, il a l'air parti pour passer, on va voir. Ah non. Ouais, il hésite. En fait, non. Là, on avait un peu l'impression qu'il n'était pas sûr de lui, mais il annonce une relance. Donc on tient peut-être la grosse confrontation qu'on attend depuis tout à l'heure. Donc ça a été relancé à 40 000 et surrelancé à 90 000, j'ai l'impression. Et là, Marquenzo qu'on voit 245 000. Donc là, bah, c'est tapis, voilà. Tapis chez Sylvain. Tapis chez Sylvain, ok. Bon. Et là on observe les finalistes. C'est payé. Payé par Marquenzo. Alors, on attend. Voilà, tous les deux, ils sont tous les deux à tapis, ils n'ont pas vu le flop. Là, ça va être compliqué pour Marquenzo. C'est fini pour Marquenzo. Attention, on recompte les jetons. Et oui, il est déjà arrivé à Marquenzo de se lever et de quitter la table alors qu'il lui restait encore une possibilité, ce qui lui a permis de gagner la deuxième place. Il a peut-être encore une possibilité. Allez, on recompte les jetons. C'est juste que c'est à chaque fois qu'on est à tapis, il faut vérifier pour écouter les trucs. C'est pour ça. Mais je pense que tu es au-dessus de moi. Tu dois être à 600 et moi à 400, je crois. Donc, tu dois être au-dessus de moi. Moi, je suis à 400, je crois que toi, tu es à 600. 360, 370, 374. Plus. 374, 374. 444. De toute façon, il est un peu plus. Oui, non, mais tu vois. Tu n'as pas perdu, Marquenzo. Il va rester... Quelques jetons à Marquenzo, donc la partie n'est pas encore terminée. C'est vrai que ça va devenir très compliqué pour Marquenzo, mais il reste des jetons. Et au poker, c'est jamais perdu. Hein. Sur le tournoi, le 5 à 22 en pause pour 15 minutes. Nous, on n'a pas la pause de 15 minutes pour aller fumer une clope. Ça tue, ça. Eh oui. Comme les pros. Est-ce qu'il faut compter du liquide ici? Parce que s'il faut compter c'est bien d'être pro poker, moi. C'est bien d'être pro de poker. C'est poker plaisir. Je suis pas assez agressif. Entre nous, on parle pas d'argent. 30 000 pour Marquenzo. Là, je pense que Marquenzo va être très agressif. J'ai l'impression, mais depuis tout à l'heure, c'est ce qu'on disait avec Maxime. Relance. Il a un jeu agressif, hein, Maxime. Tapis chez Marquenzo, payé. Ah bon, bah tapis payé. Ça, on n'a pas attendu longtemps. Attention, on voit les cartes. Oui. Allez, une nouvelle fois tapis. Un valet 9. Ah. Marquenzo a l'avantage. 4. Il touche le 4, Marquenzo. Un valet ou un 9 pour Sylvain. 6. Et un 6. Et c'est gagné pour Marquenzo. Il double son tapis. Comme quoi, vraiment, tout peut arriver dans le poker.
combien ? Mais Sylvain a très très bien joué. C'était son jeu de faire un tapis pour essayer de contrer Marquinzo. Étant donné le peu de jetons qui restaient à Marquinzo. Marquinzo a environ 240 000 jetons pour 1 million de jetons sur le tapis. Donc Marquinzo qui est légèrement en dessous des 10 blindes. Donc bon, ça lui laisse un tout petit peu plus de marge pour espérer doubler. Il peut mettre un petit peu la pression avec 9 blindes. On va voir comment il va gérer. Bon bah il attend pas, comme souvent il fait tapis, toujours la prime à l'agressivité. Allez, c'est long. Et c'est payé. Allez, une nouvelle fois, ça pourrait être le dernier coup. Mais si Marquinzo remporte le coup, ils seront à égalité. Maintenant, Marquinzo a très très peu de chances de gagner. Il faudrait qu'il y ait un 2 qui sorte. Et le 2 sort ! Le 2, la première carte est sortie. Ah, il a un relance ! Ah, mais c'est incroyable cette partie, incroyable, incroyable. Attention, parce que Sylvain peut avoir la couleur avec un trèfle. Le trèfle n'est pas sorti. Marquinzo est bien revenu dans la partie. Ils sont à égalité. Quelle partie, c'est incroyable. Et on peut applaudir les champions vraiment encore une fois, parce que... En deux coups, Marquinzo revient. C'est une finale incroyable. Et dire qu'il pensait que c'était fini pour lui. Il a failli se lever. Il était déjà levé. Il se préparait. Il avait commencé à remercier Sylvain. Et il se préparait à partir. Il se préparait à aller faire la vaisselle. Évidemment, il est encore sur la table. Ah. 15-30, messieurs. Bon, Maxime, comment tu l'as vu ce truc, toi ? Bah, écoute, j'ai l'impression qu'il avait beaucoup de chance parce qu'il était très très mal engagé. Et il fait 2-2 dès le flop, donc bon, bah rien à. Enfin voilà. De toute façon, il faut un peu de chance pour gagner. Hein. Après, encore une fois, il a essayé de voler les blindes. Il a trouvé quand même un payeur avec une des pires mains possibles pour lui, à savoir un 5 et une carte supérieure aux 2. Mais bon. Arriver à Marquinzo, il marche sur l'eau aujourd'hui. C'est vrai que c'est pas la première fois aujourd'hui qu'on voit qu'il... Sur un flop pareil, on a l'impression que rien ne peut lui arriver. God of Poker lui a parlé aujourd'hui, ce matin. On dit la chance du débutant, c'est la première fois que Marquinzo participe à un tournoi, hein, puisque Marquinzo vient d'avoir 18 ans. Donc avant, il ne pouvait pas participer au tournoi. Alors Sylvain aussi, apparemment c'est un débutant, il vient de s'y mettre pour jouer avec nous sur le site d'abord. Donc c'est vraiment un débutant aussi, on a deux débutants en fait. Oui, mais je connais bien le cas de Sylvain. Et je le disais tout à l'heure, c'est son patron qui était en séminaire ici au chalet. Et qu'il a appelé pour lui dire « Mais participe à ce tournoi ». Et Sylvain, qui comme le dit... avait pas une bonne réception, une réception de bois. Il pensait qu'il ne pourrait pas donc télécharger donc le logiciel de jeu. Et il a tenté quatre fois, il a réussi à la quatrième fois, ce qui lui a permis de jouer dès la première partie. Et il a gagné la première partie sur Internet. Et là, il est en finale. Et dans les deux derniers, incroyable. Moi, je dis, c'est incroyable. Là, Marquinzo qui fait comme il fait souvent quand il est au bouton, c'est-à-dire qu'il se contente de compléter la grosse blinde. Donc on va voir comment Sylvain va s'adapter, est-ce qu'il va se contenter de checker, ou au contraire estimer que Marquinzo représente de la faiblesse et du coup relancer. Voilà, bah, c'est ce qu'il fait, il relance. Et ça passe tout de suite, donc c'est bien joué.
l'impression quand même que Sylvain il a accusé un peu le coup quand même après ce flop de 2 et 5. Bah forcément ça doit mettre un coup au moral parce que c'est un coup où on se voit gagner et puis finalement bah, les cartes font que ça se passe pas comme on avait prévu. Mais bah là ça y est, on peut voir qu'il a repris un peu du poil de la bête, il a déjà relancé. Donc, C'est là qu'on voit les vrais champions. Hein. Voilà, c'est ça. Bah, de toute façon, le mental, ça compte. Hein, comme dans... C'est vrai d'avoir un mental d'enfer. Hein. Ouais. Hein ouais, bah, il en faut contre Marquenzo qui est agressif, qui a eu beaucoup de pauvres. Faut pas se laisser. Faut pas se dire qu'on peut rien faire, quoi, justement. Et Sylvain a l'air de. On a l'école de la jeunesse d'un côté, très agressive sur tous les plans, et on a l'école de l'expérience. On a la fougue contre l'expérience. C'est magnifique. C'est vrai. On n'aurait pas pu imaginer une plus belle finale. Ouais, non. Bah, de la jeunesse contre l'expérience. On a deux styles de jeu peut-être un petit peu différents. Et puis on voit que ça nous donne un beau duel, justement. Donc, c'est grandiose. Ouais, on a le droit à une belle finale. Ça doit bien faire plus d'une heure qu'ils sont en train de jouer, j'ai l'impression. On va voir dans la guerre des nerfs qui va tenir. Qui va tenir dans la guerre psychologique que se sont lancés les deux joueurs. Personne ne veut lâcher. Qui sera le grand vainqueur du Jiffy Poker Plaisir? Restez bien connectés, parce que dans quelques temps, nous allons voir qui est le grand champion. Qui repartira, bien sûr, au Bellagio, qu'on peut voir juste derrière nous. Le suspense est complet. Donc là on va aller voir un flop. On va aller voir un flop. Sylvain s'est contenté de payer la grosse blinde. Donc un flop assez sans beaucoup de possibilités, je dirais. Donc c'est Chick qui a parlé de joueurs. Est-ce que la dame peut changer quelque chose? On va voir. Apparemment ça inspire Marquenzo qui se prépare à miser. Ouais. Et qu'on voit un gros pruneau de 60 000. Barrel de 60 000, mais en plus il envoie sur la face de Sylvain qui relance. Oh, relance instantanée de Sylvain. Que va-t-il se passer? Est-ce que ça peut partir à tapis? On va voir. Sachant que là, les deux joueurs ont à peu près le même nombre de jetons. Donc, ouais, le coup pourrait bien être le dernier, on va voir. À imaginer qu'est-ce que Sylvain peut avoir dans les mains. Peut-être une dame qui le fait gagner. Peut-être qu'il a simplement complété la grosse blinde avec un 3. Tapis chez Marquenzo. Que va faire Sylvain? Donc il y avait... Payé, c'est payé. C'est payé. Tapis payé. 9 et 4. 3 dames, 9 et 4 pour Marquenzo. On connaît le montant des tapis, là. 510 000, là, c'est sûr. Oh. Oui. Après, là, je vois. Mais 1 million en cette question. Donc, si c'est Marquenzo qui gagne, la partie est terminée. Si c'est Sylvain qui gagne, elle sera pratiquement terminée. Est-ce qu'on est prêt pour la dernière carte? Il est déjà revenu de plus loin que ça depuis le début du tournoi. Allez, c'est parti pour la dernière carte. Yeah! Marquenzo, la dernière carte. C'est vrai. Marquenzo a eu de la chance. On peut le dire, là. Marquenzo a eu vraiment de la chance sur le dernier coup. Mais... Si bien, je suis content pour Marquenzo, mais dites-vous une chose, c'est que je pense à vous en ce moment. Je pense à vous et... Je vais vous reparler d'ici ce soir. Parce que vraiment, vous avez fait une partie merveilleuse. Félicitations, Sylvain. Félicitations. À tout à l'heure, Sylvain. On se revoit tout à l'heure. Le vainqueur, Marquenzo, celui qui m'appelle Papou à la maison. Je pense que s'il a gagné ce soir, il avait réellement cette envie de gagner pour par rapport à toute l'admiration qu'il nous porte. Et quand je pense qu'il y a encore peu de temps, il n'avait pas 18 ans et il n'avait pas le droit de jouer à ce tournoi. Il a eu juste
juste l'âge de pouvoir jouer le premier tournoi sur Internet pour son anniversaire. Et, mais par contre, Marc Enzo, c'est vrai que souvent il me regardait jouer, il me regardait jouer sur différents sites. Et je sentais qu'il avait cette envie de jouer, ce qui lui a permis de gagner cette partie. Je penserais réellement que c'est, oui, avant tout, le respect qu'il a pour nous, l'admiration qu'il a pour nous, mais surtout c'est cette écoute. À chaque fois, il me demandait conseil, il me disait « Papou, comment toi tu jouerais ce coup-là » J'essayais de lui donner mes conseils que moi-même, parfois, je n'ai pas. Et là, il nous a mis en exécution pendant 15 jours, il a gagné. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Tout le monde qui applaudit. On vient de passer 2 jours vraiment merveilleux, merveilleux. Et je pense que c'est pas fini. Je pense que c'est pas fini. Puisque, on le sait, ça s'appelle Poker Plaisir. Ça s'appelle Poker Plaisir. Hier soir, on a pris énormément de plaisir. On a pris tellement de plaisir que j'ai tenu à ce qu'il y ait un deuxième tournoi organisé cet après-midi pour réellement rendre tout le monde encore plus heureux. Donc maintenant, on va baisser un petit peu le temps. On va se retrouver tout à l'heure puisque aujourd'hui, il va y avoir, et oui, un deuxième finaliste, une deuxième table puisque on a organisé un deuxième tournoi qui a commencé à 6h, qui était en parallèle dans une salle à proximité. Donc, bien maintenant, rendez-vous à la table finale et on saura qui est le deuxième gagnant de cette première édition JP Poker Plaisir à Megève. Allez, à tout de suite, c'est vraiment super, super, super.